présidentielle jusqu'à la fin. Il a fait des propos injurieux vis-à-vis du chef de l'État. C'est l'outrage au chef de l'État dans une institution. Mais l'article 77 de la Constitution stipule que les matières qui concernent le chef de l'État ne peuvent être traitées dans une plénière de l'Assemblée. C'est déjà une violation. Tant que des légalistes et conformément au mot d'ordre de notre héros national, Étienne Tshisekedi, qui avait dit que le peuple doit se prendre en charge, nous sommes venus ici sans mot d'ordre manifester notre mécontentement, manifester notre mise en garde au bureau de l'Assemblée. C'est-à-dire, nous disons tout simplement, l'Assemblée doit être là pour faire ce qui est à l'intérêt du peuple, non des colorations politiques. S'il continue comme ça, nous allons organiser une manifestation monstre dans le cadre du CASH pour demander au peuple congolais d'appliquer l'article 148, de dissoudre ce parlement et de nous appeler dans des élections anticipées, parce que nous voyons que le parlement actuel, c'est vraiment un pot de banane pour Fati, c'est vraiment un pot de banane dans le programme de notre président qui est la lutte contre la pauvreté.